YouTube. Tu bonjour YouTube. Ouais, ah, t'as vu sans prévenir, bam! Sans Là j'ai prévenir. envie de sourire, c'est quel démoniaque. Alors, ici Gas Game Flight, on se retrouve sur Heroes of Storm, les héros de la tempête, pour Exactement. enfin vous faire la vidéo sur le premier build de Vala. Parce que ça fait une semaine qu'on a fait la diffusion. Voilà, on a fait il y a une semaine la vidéo en présentation, mais on vous a sorti quand même d'autres vidéos en attendant, on n'a pas rien fait. Hein. Mais bref, voilà, suite à quelques problèmes techniques, on va dire ça, la vidéo arrive, elle est là, maintenant, vous êtes devant, ça arrive tout de suite. Bon, on va pas mettre 1000 ans non plus. On va lancer directement la game. Non, parce qu'il faut parler du build. Oui, mais le temps que ça charge. Non, non, Non. c'est pas comme ça qu'on Oh. procède. Ah, très bien, bah écoute, c'est pas comme ça qu'on procède. Alors, on Voilà. procède pas comme ça. Alors, je me suis trompé, je fais Vas-y, je ça vais en tester direct Goutte-d'eau. comme une grosse merde. Ok, voilà. Voici le build. Donc, c'est le build auto-attaque de Vala. Ah, j'ai pas choisi le dernier. C'est le build auto-attaque de Vala. Donc, voilà, je vous parle rapidement. Quand on arrive à peu près à l'ulti, on lancera la Gege Game. Voilà. Donc, niveau 1, on prend ça. Qui permet en fait de réduire le cooldown de acrobatie de moitié. Ça passe de 10 secondes à 5 secondes. Et puis bon, ça permet de mettre des choses strap. Bon, ça c'est pas ouf. On prend vraiment pour la réduction de cooldown. Puisque on rappelle que acrobatie fait 6% de dégâts augmentés par point de haine. Donc 60% en plus sur les dégâts de l'auto-attaque suivant l'acrobatie. Donc on est sur un build auto-attaque, je me rappelle. Voilà, donc ça permet d'avoir plus. De lancer plus souvent de sorts et d'augmenter les dégâts. Bon, en soi, c'est pas indispensable. Éventuellement, vous pouvez prendre cet atout qui augmente également énormément la mobilité. Donc, les deux sont valables. Moi, je préfère jouer avec celui-là. Voilà. Après, j'ai pas saigné la nouvelle Vala, donc c'est possible que ce soit pas optimisé. Vous pouvez prendre ça. Ça va pas niquer le build si vous prenez ça. Vraiment, là c'est important, faut prendre ça, puisque vous augmentez la vitesse d'auto-attaque de 10%, donc augmentation du DPS de 10%, et puis une fois que vous avez mis 100 attaques de base contre des héros, ce qui se fait très vite, vous augmentez de 2% supplémentaires les dégâts par point de haine de vos attaques de base. Donc ça passe de 8% à 10%, donc ça fait encore une petite augmentation. C'est Pardon. sympathique. Niveau 7, et on peut lancer la game, parce qu'en fait ça va vite, hop. Ah, il veut jouer lui. Hop. Vas-y. Tag vite. Tag vite. On est sur YouTube. Ok, donc. Ensuite, voilà, donc vous prenez ça. Vous avez vu le professionnalisme incroyable. Vous prenez ça, donc ce qui fait que vous doublez les dégâts. Le bonus de dégâts apporté par la roulade, ce qui fait que au lieu de mettre 6%, 60% en plus sur la prochaine auto-attaque, vous mettez 120%. Je dis 60 et 120 parce qu'on considère que vous le faites quand vous êtes à vos 10 points de haine. Voilà. Et puis en plus, si vous faites le kill juste après, avec cette auto-attaque-là, bah, le cooldown est réinitialisé, vous pouvez le refaire. Niveau 10, on prend cette ulti qui permet de mettre des stuns, c'est vraiment sympa. Ah déjà! C'est trop tôt! Ah ça, on a le temps, t'as le temps de chargement. Ouais, niveau 13, vous prenez ça. Qui fait que tant que vous avez vos 10 points de haine, vous avez un lifesteal de 25% sur vos auto-attaques. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Ensuite, niveau 16, vous prenez ça qui va augmenter votre DPS de ouf. Qui fait que à chaque fois que vous mettez 3 attaques consécutives sur la même cible, vous réduisez de 5 pour... Enfin, ça fait 5% de PV en plus sur les dégâts. Si vous avez vu la vidéo sur la présentation, vous savez ce que ça fait. C'est pour ça que je vais vite, rapidement dessus. Hein. Et puis au pire, si vous trouvez que je vais pas assez vite, vous pouvez mettre pause pour lire les talents. Voilà. Et le dernier, le niveau 20, vous mettez Rancœur, qui fait que chaque point de haine augmente également la vitesse d'attaque de 2%, donc jusqu'à un bonus de 20%, sachant qu'on avait déjà 10%, donc on tape 30% plus vite. Et quand vous avez 10 points de haine, qui sont cumulés, vous augmentez encore la vitesse d'attaque de 30%, ce qui amène à 60% d'auto-attaque en plus, en tout, grâce à ce talent-là. Donc vous voyez, dans l'ensemble, la plupart des choses, c'est vraiment du passif. Alors après, éventuellement, vous pouvez prendre ça aussi, augmente la portée de vos attaques de base de 40%, ça permet d'avoir un meilleur placement, mais dans le build d'auto-attaque, ça c'est vraiment... Ça a vraiment une meilleure synergie par rapport au build auto-attaque. Donc moi, je vous conseille ça. Voilà, on va retourner sur
HOTS. sur la game. Ouais, c'est pas fini de Voilà. charger, donc c'est bon. C'était le On bon va timing. peut-être rajouter l'autre bébé Ah oui, vite, faut arrêter les sur SS là. Skype. Pour avoir le bonus. Comme ça, pas vous. Donc là, on prend ça. Ça, je me souviens plus de mes touches. Bim! 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 Encule! Non, il y en a un qui est parti. Non. Ah, faut les connecter. Bon, je vous laisse faire. Moi, j'ai pas que ça à faire. Ajouter des gens à cet appel. Grimbad. Non, pas lui. Pas Tib. Pas celui-là. Voilà. Ok! Alors, c'est vraiment incroyable en fait parce que. C'est vraiment incroyable parce que. C'est qui Chromie? Ok. C'est Freezer. Ouais, c'est Freezer! C'est Freezer. Oh, vraiment c'est Golden incroyable Freezer. parce que. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo de présentation, on tombe sur cette map. Oui, c'est vrai. Bonjour Donc là. YouTube. Bonjour. Tu vas bien YouTube? Bah, moi, écoute, ça va et toi? Ouais, moi, ça va bien. Oh, voilà, vous avez vu là ce que j'ai mis. Donc là, déjà, dès le début, on essaye de rester le plus longtemps possible à 10 de discipline, de haine. On veut surtout pas tomber en dessous. Puisque, je rappelle, oups, j'ai perdu beaucoup de vie, que il faut rester 180 secondes. Oh merde. Voilà, on a pris, voilà, ça qui fait qu'il faut rester 180 secondes. Donc on fait tout ce qu'on peut pour. C'est vraiment un personnage de pute, gros. Je Bon, quand c'était là, on va duel être du Dan. obligé de perdre la haine. Tu joues quoi, Grimbon? Dan. C'est toi qui joues Gul'dan? Ouais. Il est en gratuit? Ouais, il est en gratuit. Non, mais j'ai dit Grimbad, hein. Moi, je joue Ah. Mishka. Misha. Mais tu jouerais que ça. Misha, c'est l'ours. Ouais, mais je joue que l'ours. C'est trop dur de jouer avec ça. Non, par contre, je suis contre Chromie, ça casse un peu les couilles. Ok, donc vous avez pu voir YouTube que j'ai fait un A absolument incroyable. Le A probablement le plus qualitatif au monde. Alors là, on est déjà à 56 secondes sur 180. Pas mal, pas mal. On est à peu près un tiers. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment. On va aller, En Chromie. plus, on joue de nouveaux persos. Enfin, moi, je joue de nouveaux persos. Ah putain, ils vont nous faire chier. Ah là Oh merde. Bon bah Il va je me falloir relève. de pas vous redonner parce que là, ils vont nous embêter. On va prendre ça. J'aurais dû le prendre avant, j'aurais dû le prendre pendant la fight, ça m'aurait bien aidé. Bon, est-ce qu'elle l'a eu, Chromie? Ok, Chromie l'a eu. Bon vas-y, chopez-le là, vous êtes des grosses merdes là, En fait, chopez-le. c'est que ma Ah, peur, ouais. tu joues pour jouer ton skin de kéké, c'est ça? J'arrive. Non, parce que je l'aime bien. Ok. J'arrive, belle le stun, belle. J'arrive. Ah non! Oui, j'ai plus de vie. Oui, j'ai plus de vie. Oh On putain! est stunné deux, hein. Je me casse avec mon ours parce qu'on va mourir. On l'a eu ou pas? Non, on l'a pas eu. J'ai fait Ils de la sont merde. ridicules dans notre team, c'est quoi cette histoire? On a perdu tous les points? Oh là Mais là, on non, a on a gagné une. perdu que deux. Bon. À la fin? C'est vrai que c'était pas ouf, hein. On a failli faire. Voilà, Bon. j'ai essayé de faire ce que je pouvais, hein. Moi aussi, il faut dire, j'ai horreur de cette map. Just dare Netromi beat us down. Yes, sure. Donc là. Allez, on le bute. On le bute. Putain, tu crèves, ouais. Mais attends, mais. Oui, non, mais c'est bon. C'est le niveau 7. Putain, Bon, j'ai dû ouais, lui c'est foncer 180 dessus, secondes. bouffon d'ours. Bouffon d'ours. Petit ours brun, c'est un gentil bouffon. Son papa, il est gentil. Son maman aussi. En train de ça et tout du top là. Ouais, je vais bien que. Vas-y. Donc là, on essaye de pas descendre J'ai dans avec un. Romilo.
Alors. Plus rapidement. Et ça continue. Oula, oula, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Non, mais j'ai raté mon stun. Mon ours, il m'a pas écouté. C'est un bâtard. On va back. Tranquillement. À base de tranquille up. Y'a Chromie qui veut me snipe. Je la vois venir. Elle joue bien. Hein. Et bah voilà. Ok, on prend ça. Maintenant, on va faire beaucoup plus de dégâts. Donc là, avec notre Vala, c'est vraiment à partir du level 7 qu'on commence à faire très mal. Enfin, on commence à, pouvoir faire du dégât. Et quand on a les actifs, là, ça commence à être pas mal. Donc on va faire ce qu'il faut pour avoir les actifs le plus rapidement possible. Là, on l'a prêt. Celui-là, on est à un quart. 27% pour être plus précis. Voilà, c'est pas mal. Oula, il y a du monde. Aïe. Oh, on a perdu les deux. Voilà, t'as vu c'était... Yes, Peter. Yes, I am blind. Aïe, mais quel... Oh, yeu. C'est une grosse tepu. Asmodan. Il fait mal. Vas-y, j'arrive, je vais tous les stun. Oh ouais, non, je me casse. Je fais le tour. Et tu poses vraiment la blague jusqu'au bout, toi. Oh, beau stun. Ouais, bah ouais, c'est... Moi, je suis avec... jusqu'au boutiste, tu sais. Avec ce genre de mec, les trolls jusqu'au bout. Voilà. Et Chromie. Mais je serais toi, tu vois, je serais pas trop le mec vénère parce que t'es un peu ce genre de mec, tu vois. Ouais, là, c'est vrai. Là, totalement. Merde, hein. J'ai oublié mon ours. On se merde. Oh, il a besoin de son petit ourson pour dormir. C'est une cul grosse, mais. Bah, pourquoi? Ah, oui, d'accord, je suis. Par où? Oula, 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 j'ai fait un gros misplay. Je vais mourir. Je suis une grosse merde. Non, c'est bon parce que j'ai de la vitesse speed. Oh merde, je suis dans la merde. Ah bah oui. En fait, alors refaites pas ça chez vous YouTube. En fait, je pensais que la roulade allait vachement moins loin que ce qu'elle va. Et en fait, elle va loin. Du coup, je me suis mis en danger. C'est très mauvais. GG top. Bon. Bon, je suis à 13 globes de vie en 7 minutes sur 30. Ça me semble pas mal. Ouais, ça va, c'est pas extraordinaire non plus, mais ça va. J'arrive. Voilà, maintenant qu'on a l'ulti. On a un fort en moins. Hein. Et alors? Oh, c'est chiant. Vas-y là, vas-y. On les baise là. J'ai l'ulti. Bim. J'ai de nouveau le cooldown. Non, j'ai l'ulti. Le petit truc. Oh merde. Premier dégât, premier. On le bute. Oh là, oh là. Personne ne me tue. Putain, franchement, c'était stylé. Merde, le fort. Il est pas copain. On devrait les dépenser là. Moi, je suis low. Je reviens. T'es low. Ok, donc là, maintenant, ça y est. On a le premier. Donc, on a la roulade. Putain, j'ai secondes. Trop la main décalée. C'est trop chiant. On a la roulade toutes les 5 secondes et puis bientôt on aura 2% de dégâts en plus par point de haine. Et donc je sais pas si vous avez vu. Ah, mais y'a plus personne ? Non, j'arrive. Faut regarder ta map. Non, non, mais oui, mais en fait il y avait du monde et après. Y avait, oui, si, voilà, il y avait Chromie et Uther. Et genre Chromie elle est partie. Et Uther elle est partie aussi. Du coup, tout seul. Mais je peux pas dire, on a tué 3 et on était 5 et. Bah, moi j'avais plus de vie. Hein. Et je pense pas qu'on avait très tôt. Hein. À ma vie, on en a peut-être tué 2, mais ça m'étonnerait. Voilà, tué. Et tir à elle et. Ah, ouais, 2 alors. Et on a été deux très low life. Très bien, bon bah. Voire plus. Hein. En fait, on s'est tous fait niquer dans un Z de Chromie, je crois. Genre comme là. Oh, ah, ah, ah. Oh là là, ce beau place que j'ai mis là. Vas-y, Mishka, nique-les. C'est Misha et je pense qu'on a des gros focus de merde. Et donc je sais pas YouTube si vous avez vu pendant la fight l'utilité du E en fait. Où j'ai eu
Il y a un VZ de cooldown sur mon E. Et Micha. C'est bien Micha, t'as bien travaillé. Comme... C'est super dur à jouer ce perso. Mais il meurt là, Tyrell. Mais c'est pas vrai. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Bon, je crois que la game est perdue. C'est bien pour ta vidéo. Moi, je trouve pas ça hyper dur. Hein? J'ai dit, je trouve pas ça hyper dur. Bah, c'est au chaud. Quoi? Au contraire, je trouve ça assez facile parce que l'ours il autofocus tout seul. Ouais, mais il fait des autofocus de merde. Bah, c'est à toi de les faire, les focus. Oui, je sais. Bah voilà. Non, on a un bon timing sur là, on peut reprendre les deux phares avant qu'il y a la. Ouais, bah faut le prendre. Ok, on bute, on bute, on bute, on bute. GG. Il va où? Bah, il fait ce qu'il peut pour gagner du temps. Okay, donc, ouais, il aurait. Bon, allez, il aurait mieux fait d'essayer de deal des dégâts. Voilà, l'autre. Prend qu'un. Ouais, on défend le nôtre. Ah, en plus, on a tué l'autre parfaitement au beau timing. Oh lol, j'ai plus de vie, je dois bug. Ah ben non, j'ai de la... Ouais bon, si je bug, j'avais du lifesteal mais je pensais... T'es plus ou moins tout seul là, Micha. Micha, elle était sous ulti donc c'est bon. Mais là, tu peux mettre Uther, are you blind? Oups. On se barrer. Perdu. Merde. On a ulti. Je déteste Asmodan. C'est vraiment un perso qui m'énerve. Bon, on a en fait, c'est facile à Asmodan, c'est très facile à counter. Quoi. Faut toujours être quelqu'un sur lui. Après, c'est pas vraiment très fort. Hein. Et en lane, tu arrives à le bien le faire chier. Tu enlèves beaucoup de puissance quoi. Mais bon, c'est juste qu'il y a beaucoup de personnes ouais, qui savent pas jouer avec eux. Ouais, mais cette map, il y a même pas de lane en vrai. I don't care any longer. Ouais. Bon. Plus que 3 auto-attaques. Et je gagne des dégâts. Vas-y, on va pêcher le truc vite fait. Biatch. Bah, ils sont. Après la roulade, 536 dégâts déjà. Tout ça en haut. Ouais, bon, on chope le fort. Ouais, ouais. Je me souviens plus très bien de tous mes raccourcis. 1, 2, 3. Ok, ça y est. Ça y est. Putain, c'est complètement. Mais c'est quoi? Très bonne vidéo. J'étais complètement. Il y a... Putain, c'est abusé. Salope de Chromie. Micha, non. Il y a l'autre. Ah, belle. Mais genre, elle est pas morte, Chromie. Mais c'est quoi cette chat? Il y avait pas un truc trop stylé. Je me suis dit, vas-y, ils sont tous là. Je vais les mettre tous sous le truc. Chromie, plus de vie, et voilà. Et ben non. C'est marrant, parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand c'était Tyrell qui est venu dedans, c'était Tyrell qui était focus. Je back ou quoi? J'ai fait back et ça non, mais ça tape tout le monde. Putain, moi, il y a... Bon bah GG, il y a Tyrell qui m'a mis un move de ouf dans la gueule. Du coup j'ai rien pu faire pendant la fight, j'étais body block. Oh, il y a beaucoup de canons là qui arrivent. Ok, et eh bah vous avez vu un très bon build YouTube. Voilà, donc voilà. Oh, ça m'a tué. La saleté, ça m'a tué. Ah, que leur chromie était plutôt bonne. Hein. Ça a l'air d'aller. Mais leur malfurion aussi, hein, clairement. Allez! Je dirais que c'est limite leur malfurion qui était meilleur parce que c'était lui qui mettait tous les bons stuns pour que Chromie puisse se mettre bien. Ouais, non, malfurion a bien travaillé. Ah putain, on peut continuer de parler à ce moment-là, super. Comme ouais. Ça fait encore plus de cancer. Exactement. Là, j'ai envie de te dire, tu n'es pas dans le shot final. Du coup, t'as plus qu'à recommencer ta vidéo? Non, je m'en bats les couilles. Je veux dire, moi je présente, bah je m'en fous, moi je présente un build aux gens. Bon, là on est obligé de jouer, on a un turbo là. Ouais, je présente un build aux gens, après
C'est Moi, je sais là, ce qu'il vaut. ça arrive, Après, hein. voilà, ça peut arriver de faire des mauvaises parties. Après, ils le testent, ils le testent pas. C'est comme ils veulent, hein. Et Donc, le bref. build, tu l'as présenté entièrement? Ouais. Bah, j'ai pas pu prendre le 20e talent, le dernier talent, mais bon, je l'ai présenté en début de vidéo. Mais, enfin, voilà, le... Voilà, pour le build. Donc, moi, je vous invite à le tester, il est très marrant. Bon, après, là, il n'y a pas eu les meilleurs compos d'équipe de notre côté, puis en face, pour vraiment bien s'amuser avec. Mais bon, il est sympathique. Et puis, après, la map est pas très avantageuse non plus pour ce build-là. Enfin, pour Vala, je pense. Enfin, surtout pour ce build-là. Mais bref. Enfin, voilà, je vous invite à le tester. Vous avez vu, il faut vraiment essayer de faire rapidement les quêtes. C'est ce que j'ai essayé de faire dans un premier temps pour gagner un maximum de puissance. C'est des quêtes qui sont très rapidement. Le problème quand même, Et on peut les faire rapidement, quoi, la quête. voilà. Et puis après. Après, bon, en général, ça se passe bien. Bon, j'ai fait quelques erreurs avec ma roulade qui ont coûté cher. Mais bref, voilà. Donc, je vous invite à tester ce build. Voilà. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi celle-là. Et puis, à bientôt. Cul!